Bonjour. Bienvenue encore une fois à la maison. Il y a un petit problème là. C'est quoi ça? Ah oui, ouais. Ça c'est les chaussures d'un pote. T'as pas aujourd'hui. Sorti les chaussures toi? Non. Oui, moi j'ai les miennes, regarde. Ça c'est ma paire de mes chaussures, Dream Creature, qui ont été complètement sold out. Donc merci à tout le monde qui a commandé sa paire. Il n'y a eu que 24 heures de précommande, donc maintenant c'est fini. Mais je les garde pour des journées un peu spéciales, parce que comme c'est tellement limité, moi j'ai qu'une seule paire. Donc j'ai envie de vraiment les garder pour les moments qui comptent de ouf. Aujourd'hui, c'est un moment quand même très stylé. Nous allons chercher une nouvelle voiture avec laquelle je vais rouler pendant un petit peu. Donc très stylé. Vous êtes sûrement déjà au courant à travers le titre. Je sais pas du tout. On va prendre la Ferrari, on va y aller et j'ai hâte de la voir. T'as entendu les travaux? Là, c'est violent. J'ai envie de sortir, profiter de la terrasse. Un peu maintenant qu'il fait plus chaud. Toute la journée, c'est chiant. Ah merde. Oh, bueno, ça. Stationnement interdit. Oh shit. Pas idéal. On va aller bouger. Hein. C'est vrai que là, on doit quand même un peu réveiller les voisins quand on sort celle-là. C'est parti. Merde, on va où en fait? C'est où Bentley Monaco? J'ai complètement oublié. 2 hours later. Bentley Monaco. C'est vrai qu'il fait pas mal, hein. Il était supposé pleuvoir. Ah, et toi, tu vas devoir conduire ça après. Merde, c'est chiant ça. Et écoute, hein, des fois, c'est le problème du boulot. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a quitté les voisins, on peut ouvrir les valves. C'est mieux quand même. Une chose qui est sûre, c'est que la Bentley va être beaucoup plus confort que celle-ci. On passe d'un extrême à l'autre. De la super car hardcore, carbone de partout, bruit de malade, à l'ultime luxe sportif. Regarde, on a un escort devant nous. Ouais, sacré escort. Ouais, t'as vu ça? Je pense qu'il est content de t'entendre. Ah, mais c'est bizarre, regarde. Pourquoi l'escort, il va dans l'autre sens? Je comprends pas. Nous sommes arrivés. Bonjour. Ça devrait aller là, non? Tu vas bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir? Ouais, ça fait longtemps. Wow! Il y a Ferrari aussi, juste là. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Tout se passe bien en ce moment? Parfait, parfait. C'est beau ici, hein. J'étais seulement venu là, et je crois une ou deux fois. T'avais déjà récupéré une voiture? Ouais, là c'était une Continental, mais c'était une GTC. Bah, c'est celle juste dehors c'est là? Ça, c'est ok, parfait. Ouais, j'étais pas sûr, je me suis dit ça doit être ça. Moi j'ai signé, toi aussi, donc tout est bon. Ah oui, c'est bon. Voilà, ouais. Regarde, on fait le switch, là on a signé donc tous les papiers. Pour la voiture, donc du coup on fait un petit switch. C'est un prêt très gentiment de la part de Bentley ici à Monaco. Leur showroom est trop beau, je suis sûr que vous avez vu des clips. Super sympa, il y a une zone là-bas pour faire la config de toute ta voiture. Et ici c'est un peu où tu te poses, je sais pas, une fois que tu viens chercher ta voiture, je sais pas trop, mais c'est très sympa, très beau. Donc ouais, j'ai hâte de voir la voiture, on va aller la découvrir maintenant, voir la config. Je suis un énorme fan de cette voiture, j'en ai même considéré une pendant longtemps, donc j'ai hâte de voir comment ça va être. Alors, donc c'est celle-là? Oui, c'est ça. Magnifique. Trop beau. Il y a la calandre qui sent, les appuis-têtes également. Ah ouais? Ouais. Et petite particularité, il y a le B qui reste droit. Ah oui? Sur les autres bandes, okay. Qui tournent donc la roue du coup. Ok. Et là, effectivement, sur ce bac. Donc là, il reste droit. Il y a là aussi. Ouais. À l'intérieur aussi, quand tu ouvres. Là, je sais pas si je l'ai ouverte. Ouais, hop. C'est bon. Voilà. Ici aussi. Ah ouais, c'est magnifique. Waouh, elle est magnifique, hein. Et donc c'est le V8. V8, ouais. En plus c'est celui que moi j'aime bien, le V8. Ouais, donc, ouais, je pense. T'as essayé le W12 aussi? Ouais, j'ai fait le W12, c'est très cool. Ouais, ouais. Mais je pense que pour moi je préfère le V8. Ouais. Ouais. Super. T'as la clé, t'as tout ce qu'il faut. Parfait. Cool. On peut la garer après. Super. Quand merci beaucoup. Demain, on la mettra ici au moins. Oui, comme ça au moins on est tout prêt. Top. Merci beaucoup ouais, en tout cas. À... Ok, on va faire l'intérieur. J'ai eu une explication rapide de pas mal de trucs. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Et surtout, comme nous deux on se fait tester tout le temps, je vais pouvoir enlever mon masque. Premier truc, t'as vu ça? Elle te donne la ceinture. C'est pas trop cool? Dans un truc Bentley, genre tout fini, je sais pas, en alu ou je sais pas quoi.
Elle te donne la ceinture, ça c'est très sympa. Tu peux voir, je sais pas combien vous avez pu entendre tout à l'heure de la livraison, mais ils m'ont parlé un petit peu de l'intérieur aussi et des détails qu'il y a, donc je vais essayer de me rappeler de tout pour pouvoir discuter avec vous. Mais très sympa, bon c'est des livraisons assez rapides comme ça, mais très sympa d'avoir, d'avoir cette expérience. Pack Mulliner, donc c'est en gros la version la plus luxueuse de la Continental GT, donc V8 dans ce cas-là, mais on voit les détails du Mulliner ici. Et ces surpiqûres en diamant qui sont vraiment magnifiques, en bleu foncé et rouge foncé, qui complimentent l'intérieur de la voiture. Alors les sièges sont dans un cuir d'une couleur différente. Ça c'est avec tous les Pack Mulliner. En gros, t'as plusieurs configs que tu peux choisir. Les sièges sont comme ça dans une couleur différente que le reste de la voiture. Regarde ça, c'est un détail qui est assez cool. C'est genre une trappe à ski que tu peux enlever complètement. Sympa. Et après t'as la trappe qui va derrière. Voilà, ça se remet facilement. Derrière, t'as deux trucs chargeurs, très cool, ainsi que des porte-gobelets. Ça se dit comme ça, non? Porte-gobelets. Mm-hmm. Tout est tellement luxe. Les sièges arrière, c'est des sièges baquets. Celle-ci, on a aussi le... C'est un toit ouvrant. Voilà, c'est ça le mot. Très sympa aussi, il y a toujours ces trois couleurs de cuir, là, dans les Mulliner, il me semble. Donc, t'as le bleu foncé, le rouge et le crème, là. Ensuite, on arrive ici. Donc là, c'est où tout se passe un petit peu. Alors, on a... le bouton pour démarrer la voiture. C'est pas juste un bouton pour démarrer la voiture, c'est aussi pour choisir entre tes modes sport, Bentley, confort et custom. Donc c'est assez sympa la manière qu'ils ont mis ça ensemble. Et dans le Pack Mulliner, je sais pas si tu arrives à voir autour, mais c'est tout fait en diamant aussi, de partout, même pour la radio et tout ça, c'est tout fini dans cette avec les diamants et ça donne une sensation de qualité. J'ai rarement senti ça dans une voiture, c'est vraiment dingue. Tout est du luxe du plus haut niveau. C'est vraiment dingue à l'intérieur de cette voiture. Il y en a pas beaucoup qui te donne cette sensation de luxe. Une fois que tu démarres la voiture, tu appuies sur ce bouton. Normalement, il devrait se passer un truc là. Bam ! T'as vu ? L'écran se retourne. Donc, très cool. Donc, tu as ce bouton screen. Alors ça, on a déjà vu dans d'autres voitures, un écran qui se retourne, etc. Mais là, c'est un triple écran, en gros. Donc, tu cliques sur le bouton screen et ça peut même te mettre ici. Donc, par exemple, la température extérieure, tu as une boussole. Et tu as aussi un stopwatch pour si jamais tu vas en circuit ou je sais pas quoi. Donc, que je pense pas que les gens ils vont beaucoup aller en circuit. Ou tu peux remettre, si tu veux, l'écran. Ou encore une fois, tu cliques. Voilà, c'est bon, on a trouvé. Et ça se met pour que, en fait, tu n'aies rien et ça fait un énorme truc là devant avec le logo Mulliner aussi. Donc, très sympa. On va remettre l'écran. L'écran est très cool. Ça se voit qu'il a été inspiré des systèmes qu'on trouve dans les Audi. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça marche très très bien. Un détail que j'aime beaucoup aussi, c'est là au niveau de la clim. Donc t'as ces boutons, c'est en rouleau aussi, qui ont cette finition en diamant. Mais c'est des petits écrans. Donc c'est un très beau petit détail. Et après, si tu veux, tu peux justement le changer et faire la vitesse des ventilateurs. Donc là, l'écran très beau, très grand. Ça, c'est un beau petit détail. Donc j'appuie ici pour lever l'aileron et regarde, sur l'écran, l'aileron va se lever en vrai. En même temps que dans la vraie vie, l'aileron se lève sur l'écran. Je sais pas pourquoi, mais c'est un petit détail que je trouve stylé. Alors, le tableau de bord est complètement digital. Perso, j'aurais aimé qu'il garde un peu analogue avec Bentley. Tu sais, c'est sympa d'avoir tout ça en analogue. Après, ils l'ont fait en 3D pour que ça ressemble aussi analogue que possible. Avec les diamants aussi pour le Pack Mulliner, donc ça c'est nouveau. Donc c'est 100% un meilleur système, c'est 100% plus pratique, mais personnellement, pour mes goûts, j'aurais aimé que ce soit plus analogue. Tu peux tout changer, tu peux mettre ton GPS en grand, tu peux faire plein de trucs. C'est plus complet, c'est sûr, mais c'est peut-être moins potentiellement historique par rapport à Bentley. Mais il marche très bien, je sais pas si tu arrives à voir là, mais tu peux avoir ta carte en énorme devant toi. Non, juste en général, elle est vraiment, vraiment ouf. Ce qui est exceptionnel, c'est que tout ce que tu touches, même les trucs là pour les ventilateurs, tu vois, il y a une qualité de dingue. Donc, vraiment sympa. On va passer un peu de temps avec cette voiture. Je vais la rouler en daily. Donc, la prochaine vidéo que tu vas voir, regarde, encore deux trucs USB là. Donc, ouais, la prochaine vidéo que tu vas voir, ça va être une vidéo un peu commencer de rouler cette voiture en daily et de vivre avec. Donc on va commencer à la filmer là et tout le temps que je l'ai, on va filmer cette vidéo. Donc ouais, aujourd'hui c'était juste la livraison. J'espère que vous avez kiffé. J'ai vraiment hâte de profiter maintenant de rouler avec et on se voit très très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci la famille. Ciao ciao.